Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la Dream Team. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc une petite surprise que j'ai réussi à avoir. Où justement on va tester la démo de Forza Horizon 4. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on va faire ça ensemble. Gentiment. Hein. Donc le live je vous ai pas mis de durée parce que je sais pas combien de temps ça va dure la démo. On va regarder ça ensemble. On va faire la démo. Hein. Donc on va déjà faire démarrer. Je vous ai laissé un peu le trailer au début pour vous montrer un peu différentes images. Donc aucun éclairage dynamique détecté, ok. Nom du joueur, le débutant. Non, on va peut-être éviter quand même, on va peut-être changer un peu de nom. Pas choisir son nom, genre mettre son gamer tag par exemple. Non, on peut pas écrire quelque chose. Choisir un nom, oui, mais moi je veux mettre mon nom à moi. Et me à fond la classe, à fond la caisse, pardon. Ouais, enfin, c'est un peu débile, quoi. Peut-être brûlé. Ok. Là c'est arrangé par lettre alphabétique, on a les A, B, toute la lettre quoi, les lettres jusqu'à X, Z hein, je pense, l'alphabet entier de toute façon. Ouais, encore tout un paquet. Etienne, Eloi, Églantine, Zia. Elia. Ouais, bah, pas grand chose. Tom, on va prendre Tom, hein. Pas le choix de toute façon, j'aurais préféré choisir mon nom à moi. Sous-titre, on va les mettre des fois que ça parle anglais. Mode daltonien, non, je sais les couleurs. Mettre un petit peu plus. Non, j'ai laissé à 50. Donc, comment on fait pour continuer? Continue, sélectionne. Et voilà. Tout simplement. Donc, accélérer, freiner, ça change pas. Rembobiner. Ouais. Frein à main sur A. Ouais, je suis plus habitué sur B, mais bon, c'est pas grave. Donc, X et B, c'est pas. Il n'y a aucune touche, changer la caméra au-dessus. Caméra libre. Oh, il n'y a pas beaucoup d'interactions en fait. Donc on va voir. J'ai déjà commencé par régler mes touches. Hein, parce que moi les vitesses, je préfère les passer moi-même. Donc les passer moi-même, hein, mais sans embrayage, hein, je précise. Parce que à la manette. Changer les vitesses quand on n'a pas d'embrayage, c'est pas en volant. C'est pas pratique du tout. Après, je vous cache pas que quand je vais l'avoir sur. Donc sur console, voilà, hein, ma vision. Quand je vais jouer au volant, là je jouerai avec l'embrayage. Je testerai. Je vois un festival qui ne s'arrête jamais. Voilà le festival Horizon. Où l'on peut être celui que l'on souhaite. Je vous laisse le trailer, on se retrouve juste après. Il ne s'agit plus de vacances de rêve, mais d'une vie idéale. C'est l'horizon que je vois. Laisse-moi te le montrer. Bienvenue en automne. Le nouveau départ du festival sans fin. Reste dans le coin. Horizon s'installe ici pour de bon.
Ah, c'était un mode combat. Un boîte automatique. Là, la conduite a l'air d'être pas mal. Start. Non, on peut pas. Go. Ah si. Carte du monde, acheter Forza Horizon 4, paramètres. On va aller dans paramètres. Hein, parce que la musique, elle me tape sur la tête. J'aime bien la musique, mais là, en roulant, je préfère voir. Volume radio. 0. Ah, je peux pas 0, je peux mettre que 1. Volume voix, volume effet sonore, volume voiture, volume pneu, ok. DJ radio, non. Klaxon, ah, pas mal. On peut klaxonner alors. Microphone activé. Permet de choisir si les autres joueurs peuvent vous entendre ou pas. Oh bah, non, maintenant. Mode streamer. C'est quoi ça, mode streamer? Bon, je vais pas y toucher, je vais le laisser en nom comme c'est. Ok, accepté. Après, paramètres de difficulté, régler les difficultés du jeu. Ça m'intéresse. Alors, difficulté moyenne. Pro, débutant. Personnalisé, voilà. Alors, freinage. Pas d'ABS. Direction, je vais mettre en normal. Ça et ça, activé. Boîte de vitesse, manuel et embrayage. Non, manuel tout court. Trajectoire, freinage seulement, comme j'étais sur l'autre. Dégâts, superficie, le quai. Rembobiner, désactivé. Ça me va. CR bonus. Bon, après, c'est pour la démo, donc on va rester comme ça. Ça fait que 50% de bonus, mais bon, c'est pas gênant. Paramètres de commande. Par contre, en tout cas, j'aime bien le menu, là, de... le menu, en fait, qu'on a au début, là, pour pouvoir gérer avec les différentes icônes. Au moins, tout est clair. C'est pas mal, ça. Alors vitesse moins sur X, vitesse B sur plus, enfin vitesse plus sur B, non. Frein à main sur B, ok, non plus. Voilà, vitesse moins, vitesse plus, frein à main, rembobiner, voir les épreuves. Eh, reviens. Changer de caméra donc sur Y, ça c'est pas mal, ça c'est plus caméra libre, klaxon, ok, direction, mode photo, activer le chat rapide, ah il y a une fonction de chat rapide, c'est pas mal ça par contre. Après, activer, attendez, activer Anna, afficher classement mini, activer Anna. C'est quoi ça, Anna? C'est qui ça? C'est qui Anna? Bon, je sais pas. Donc freiner, accélérateur, pause, activer, ok. Bah on va laisser comme ça. Donc vibration, je vais mettre en non. Inverser. Non, on va laisser ça comme ça. Hein, pour éviter de tout dérégler. Inverser, rétroviseur, caméra. On s'en fout. Inverser, vue verticale, on s'en fout. Ça on s'en fout aussi. Ok. Retour. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu ça hein, les niveaux qu'on voit. Donc jouer en ligne indisponible, bah, normal, le jeu il est pas sorti. Changer de voiture. En tout cas, c'est pas mal. Donc. Ah mais il y a encore d'autres panels aussi, ouais mais on peut pas le savoir encore, donc continue comme ça.
tout cas, les automobilistes sont un peu débiles. Il y en a deux derrière qui sont rentrés dedans. Graphique en tout cas, il est vraiment sympa. Niveau maniabilité et conduite de la voiture, plutôt sympa aussi. La cascade derrière aussi est pas mal. On a l'hiver aussi, ça c'est avec le mode saison, du coup ça va vraiment être sympa. On change de voiture, on change de poste. Le mur cassable, ouais. Pas sûr que ça soit vraiment réel. Contrôle manqué, tu rigoles. Bah, c'est plutôt sympa hein, sur le même neige en plus, ça tient bien la route. Ah oui d'accord, mais... C'est sympa aussi ça. Quitter le mode photo, bah oui. C'est pas ça que je voulais faire en fait, je voulais juste... changer la vue. Après... Ah j'ai pas le temps, c'est pas juste ça normalement, j'aurais dû faire le saut. Je suis pas arrivé. Je vois qu'il y a 4 personnes sur le live, bienvenue à vous. On est sur la démo de Forza Horizon 4. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou hein. Ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à dialoguer aussi, à mettre à écrire vos messages aussi à côté de moi. Ok tout le monde, ce sera un jeu d'enfant. Faites juste gaffe au point de contrôle et tout ira bien. Le mode Toki c'est pas mal aussi. Il y a des motos là, mais les motos aussi on peut les conduire. Si on peut conduire les motos, c'est délirant. On a perdu jaune. Ouais, oui, il a vu. Point de contrôle manqué, ouais t'es mignon mais il y a un arbre, tu passes par où? Je monte vers la carrière. Vers la carrière. Waouh! Dans la boue par contre c'est vachement réaliste, hein. Après à la manette. À la manette c'est pas pareil, mais je pense qu'au volant, il y a moyen de se faire des belles sensations. Eh hey, bleu, essaie de me suivre. C'est moi que tu traites de bleu là. Là c'est pas bon. Thank you.
Après, faut trop des motos. Je crois qu'il ne reste plus que moi. En tout cas, je pense qu'au volant, ça va vraiment être sympa. Hein. À voir. Oh, deuxième. Joué. Et je sais pas si c'est moi qui ai passé en premier ou pas, par contre. On y est ! Fans d'Horizon, la saison estivale démarre avec la plus grande course de tous les temps. Dirigez-vous vers Horizon. Pied au plancher. Le festival gagne. Avec la patrouille de l'armée française, je suis. Pour l'instant, j'en prends plein les yeux. C'est vrai que c'est. C'est vraiment sympa, hein. Putain. Deuxième, bon, sympa, avec le poste exclusif T-shirt Horizon. En jouant à la démo de Forza Horizon, vous avez déverrouillé cette récompense pour le jeu entier. Ah, c'est gentil ça! Sélectionnez une autre offre. Une offre. Comprend le pack de voiture parmi la drift. Comprend le pack de voitures Formula Drift plus le pass voiture et l'autre. Ah d'accord, donc Forza Standard c'est le pack de voitures Formula Drift en plus, c'est tout. Et le Deluxe, vous avez le pack, pardon, excusez-moi, le pack de voitures Formula Drift plus le pass voiture. Ensuite le pack ultime, donc celui-là ça doit être celui qui est à 100€ je pense. Comprend deux extensions plus l'abonnement VIP. Plus le pack de voitures Day One, plus le pack de voitures Formula Drift, plus le pass voiture. Eh bien, bah nous on va rien prendre, on va juste continuer la démo. Donc après, si c'est juste ça la démo, je vais être un peu déçu. Je pense pas. Mais... En tout cas, pour le moment. Assez surpris, hein. Il est vraiment sympa. Quel spectacle! Je fais ce que je peux. Tout le monde est arrivé? Oui, on est tous prêts et impatients de commencer. Super, ok. Donc voici Tom. Bonjour. Non, non, je suis pas une femme, non. Non, non. On peut pas modifier les apparences, ça, je trouve ça un peu dommage. Après, peut-être que le début, je dirais. Hein. Bon, apprendre ça sera déjà mieux. On va bien voir. Confirmer le choix du personnage. Bah oui. En même temps, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai pas trop le choix. Ravi de te rencontrer. Je suis Kera, directrice du festival. Tu as fait forte impression auprès de nos découvreurs de talent.
celui-là a peut-être une chance d'inscrire son nom sur la liste. Rebecca est l'une de nos anciennes championnes. Elle m'aide à organiser le championnat sur route d'Horizon. Nerveux ? Je me souviens de mon premier jour à Horizon. C'est assez irréel, pas vrai ? Je vous laisse vous préparer pour la première course. Bonne chance. Bien, c'est le moment de te mettre au volant. Lequel vas-tu choisir ? Ah, donc voilà, on a plusieurs voitures. Audi TTS coupé. On a la Ford Focus RS. Et on a la Dodge Charger RT. J'avoue, je suis plutôt assez fan des Ford Focus RS parce que je trouve assez joli. Changer voiture. Ah oui, d'accord, c'est ça. On va prendre la RS. Bon choix. C'est sans doute la compacte la plus sportive sur la planète à l'heure actuelle. Et conçue ici, en Grande-Bretagne. Tu le savais ? Appuyer sur A pour monter dans la voiture, je crois. Je vais regarder sur le... pour monter dans la voiture, c'est ça. Eh ben, on va monter dedans. Hein. Voilà. Très bien. Fais-toi une plaque personnalisée. Allez, un peu de créativité. Donc vers le bas, on avance vers les lettres. Et JK et LMRO. Et avec la flèche du haut, on recule en fait. Donc je vous explique pourquoi j'ai mis ça. Je pense que voilà, je vais garder ça comme ça. Donc Tama en fait, pour Tama parce que c'est mon surnom en fait. Tout le monde m'appelle Tama. Et 93 en fait, c'est pour ceux qui connaissent un peu le MotoGP, c'est pour. J'imagine que tu voudras tester ta nouvelle voiture. Donc, j'aime bien. Alors je t'ai choisi quelques épreuves pour commencer. On se voit là-bas. J'aime bien ce pilote là. J'aurais pu prendre aussi le numéro 5 hein, pour Johan Zarco, pour ceux qui connaissent aussi, mais c'est vraiment ces deux pilotes-là que j'apprécie. Donc c'est sprint du Festival Horizon. Dézoomer, on va voir du coup on va. D'accord. Ou sprint, dans tous les cas, il y a un sprint. Eh ben, on va aller au plus loin d'abord, comme ça, celui-là, le sprint, il fait tout ça, et il revient jusqu'ici, donc après... On sera à côté pour aller faire celui-là. Donc on va aller au plus loin ici. On va déjà aller faire ça. Voilà. Les lignes sont plutôt bien faites. Non, moi je voudrais bouger la tête à l'intérieur du véhicule. Tournez à gauche. Finalement, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-là parce que j'ai l'impression qu'elle avance pas. Bon, après, c'est pour la découverte. Puis, de toute façon, il faut bien commencer par un véhicule. À un moment donné ou à un autre, il faut bien commencer par quelque chose. Il y a un peu des bouchons là quand même. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des Ford Focus. Ça va être la course de Ford Focus, je pense, je sais pas. À 400 mètres, tournez à gauche.
Ah non, là il y a une mégane. À gauche. Tournez à gauche. Ah, ici. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à gauche. Après, le fait de casser les murs, je suis pas trop fan parce que... D'accord, il y a deux sens de circulation. Okay. Tournez à gauche. À 200 mètres, tournez à gauche. En tout cas, il y a des reflets. Tournez à gauche. Sympa. Vous avez atteint votre destination. Voilà, on va se garer sur le côté. Donc course sur route, sprint d'Amblesid. Configurer preuve. Bah, on va commencer. Hein. Bienvenue au championnat de course sur route Horizon. Épreuve, de toute façon, on a pas courez ici pas et vous serez invité à d'autres épreuves. Participez aux autres épreuves et un jour, qui sait, j'aurai peut-être une place pour vous sur ma liste. Régler la voiture. Donner une mission, ouais, ok, on s'en fout. Pression des pneus, ça je vais pas y toucher. Déverrouiller en installant des améliorations de course sportive de transmission. Ah ouais, donc tout ça, tous ces réglages là, on peut pas les faire en fait, parce qu'il faut tout simplement en fait avoir le jeu. Preuve, paramètres de difficulté. Bon, alors on va commencer la course, hein, de toute façon on n'a pas bien le choix apparemment. Ça va, ils nous mettent avec les mêmes catégories de voitures, donc ça c'est cool. Regardez le retour du live. On va se concentrer un peu plus sur la route, sur la course. Je regarderai vos messages après, hein, bien évidemment. Par contre, d'habitude, on a un petit indicateur là, pour telle et telle courbe. Un peu comme dans notre GPS, ça aurait été sympa. J'habite d'avoir l'œil tout le temps sur la carte. Après ils vont peut-être le mettre à la suite, hein, lors du développement du jeu.
Ouais, niveau direction, j'espère qu'on pourra régler ça. C'est vrai que ça serait sympa. Parce que là, direction, je la trouve pas énorme. Je vais regarder ça d'ailleurs, après, si je peux pas faire autre chose. Hein. Voir si je peux pas trouver à régler les directions. Bah on va continuer. Hein. La cinématique c'est sympa derrière avec pouvoir pour les une autres. Première course au festival, t'as assuré. Applaudir, c'est sympa. Continue de conduire comme ça et tu seras invité à la prochaine manche du championnat sur Route Horizon. On dirait le sosie de Francky Beaumont. Pardon, Joël Carter, en charge des relations pour les pilotes d'Horizon. Bon, voyons si j'ai quelque chose dans tes cordes. On cherche un cascadeur pour un film qui se tourne près d'ici. C'est un peu soudain, je sais, mais ça... Passe me voir quand tu peux. Comme ça, je pourrais te présenter Mike Steele. C'est le responsable des cascades du film. On va déjà faire la course ici. En tout cas, c'est sympa. Hein. On a d'autres... Salut Tom. Horizon à faire. Les stations d'Horizon sont normalement pré-réglées sur ta radio. Horizon Pulse, Horizon Bass Arena, Horizon Block Party et Horizon XS. Vois si quelque chose te plaît. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Vous avez atteint votre destination. Effectivement, c'était pas loin. En tout cas, ouais, c'est pas mal parce que pour la démo qui rajoute d'autres choses à faire à côté, c'est plutôt pas mal en annexe, c'est assez sympa. Donc régler la voiture, on peut pas. On va voir pour la direction normale, simulation, assister. On va se mettre en simulation, on va essayer comme ça, on va voir. Difficulté. Habile. Là, je suis en moyen, peut-être essayer en habile. De toute façon, je vais continuer un peu après. Quitte à recommencer les courses pour voir un peu les différents modes de conduite et à dire ça. Ça roule déjà un peu plus, c'est pas mal. Par contre, ça drifte. Après, on peut pas faire les réglages de voiture. Là, je pense qu'elle est toute d'origine, elle est pas équipée. Déjà d'origine, elle marche plutôt pas mal. Ça bouge un peu par contre, ça bouge un peu plus. Niveau direction, ça répond déjà un peu plus. Oh, les murs. Ça, je m'en doutais du mur, je le voyais bien près.
Ça, ça roule déjà un peu plus fort. Ouais, voilà. Ça roule déjà un peu plus fort. Bon, quatrième, je vais recommencer. Ouais. Je voudrais. FX qui a déjà joué en 1.45.672 qui arrive le premier. Gaël. Ok. Bon bah on va réessayer. D'ailleurs Bigood, étonnant qu'il n'ait pas essayé. Bon, on va recommencer et j'aimerais continuer comme ça et puis on va voir. Essayer de faire mieux quand même. Essayer d'améliorer le pilotage aussi, d'être un peu plus propre sur les trajectoires. On en parle de ce qui s'est passé là, de la voiture. Soit c'est quelqu'un qui a quitté, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça surprend en tout cas. N'hésitez pas à écrire hein, dans le chat, hein, j'ai le PC à côté. Je peux vous répondre à tout moment. Ça a quand même bien glissé. Essayez de prendre l'aspiration. Il doit y avoir une assistance là parce que ça pousse pas les vitesses comme je le souhaite. J'ai l'impression que en fait les rapports au bout d'un moment ça ralentit. Bon déjà on a amélioré le temps, hein. On est passé troisième. Donc je vais regarder là, au niveau des réglages parce que voir ce qu'on peut modifier. Par mode de difficulté, freinage, ok. Qui bloque au niveau accélération, au niveau rapport de vitesse. Manage seulement, manuel, entre les solidités, ok, traction. Je sais pas là, donc on va continuer. Voilà. Tout à l'heure, ouais, il devait y avoir une déco, je sais pas, un bug. Après, c'est une bêta. Hein. Bah ouais, mais mec, si tu te mets à pied, c'est normal que je t'en remonte.
ça joue à la poussée de part. Comme sur deux et bah, les trois, je sais pas parce que je ne l'ai pas. La bonne trajectoire. Ah, le corps de poisse a lâché une battue. Je voulais faire mieux, j'ai fait pire. Donc on va continuer, hein. On verra après. En tout cas, l'écran géant, c'est sympa. Là. C'est, voilà, bien. Niveau... Je te fais passer à la prochaine manche du championnat sur Route Horizon. Difficile de faire autrement quand on conduit comme ça. Mais ça ne commence qu'en automne. Tu trouveras de quoi t'occuper d'ici là. Bah oui, il y a le monsieur qui m'a appelé là pour les cascades, je sais pas quoi, là, donc je vais aller le voir. Bonjour, je suis Anna, votre assistante de navigation naturelle autonome. Je vous guiderai dans le festival et vous aiderai à trouver des activités à travers le Royaume-Uni. Donc ça se passe au Royaume-Uni, d'ailleurs c'est ça Anna, alors que j'ai parlé tout à l'heure. Par contre, si on pourrait arrêter de tourner au niveau de la caméra, ça serait bien, parce qu'on a chopé un mal de crâne. Ok Tom, j'ai programmé l'itinéraire vers une nouvelle histoire d'horizon près d'ici. Ah. Votre influence augmente en gagnant des étoiles dans les histoires d'horizon. En tout cas, niveau graphisme, pardon, il est quand même assez propre. Hein. Et bien t'es fait. Je croyais qu'il fallait tourner à gauche, mais non, je continue. Bon, rien dit de toute façon. Par contre, pour drifter, ça drift. À 400 mètres, tournez à gauche. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Tournez à gauche. Il reste 1 km à faire.
À 400 mètres, tournez à droite. Oh, oh, oh. Bon. Tournez à droite. C'est ce qui s'appelle avoir fait un tout droit. Bon. Ça arrive. Mais qui voilà ? La future star du grand écran. C'est pas vraiment le sosie dont tu m'avais parlé. Tu rigoles ? On dirait son jumeau. Mais tu feras l'affaire. Au fait, je suis Mike Steele. Aujourd'hui, on tourne une scène de fuite. Rends-toi au village de Broadway. On a tout mis en place là-bas. Le gamin a intérêt à être aussi bon que tu le dis. Ah, change de voiture. Bien, en route pour Broadway. Et ne traîne pas, vu ? On ne veut pas perdre la lumière. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre hein, Facebook, sur Facebook et Twitter. Je vous invite à cliquer sur les différents liens sous le live. Vous pouvez aussi me suivre sur YouTube. Il suffit juste de cliquer sur les différents logos qui sont mis dans la description sous le live. Et si vous êtes sur téléphone, je vous invite à aller plusieurs fois vers la droite. Vous allez dans l'onglet Informations et vous allez trouver les logos que je vous parle. Sympa les gens qui se lèvent. Ah mais c'est l'idée de suivant. Ah bien, on va tout mettre en place. En tout cas c'est sympa là pour la démo, le petit mode. Tu vas faire le grand plongeon. Mission, et maintenant tu ressembles à ton personnage. C'est une scène de poursuite classique. Le héros est chassé par un avion et il doit s'échapper en sautant à travers un moulin. Ne me demande pas pourquoi. Si tu es aussi bon que Joël le prétend, ça devrait bien se passer. Hé, hey, pense à respirer, gamin. Et ne perds pas ce truc, c'est avec ça que je te parlerai. Tout va bien se passer. Prends à gauche, mais ne relâche pas l'accélérateur. Entrée du véhicule poursuivant. Ouais, le méchant est dans un avion, et alors ? Tu gardes des aiguilles dans le rouge et tu fais peut-être des manœuvres pour l'éviter. À fond, ça passe pas. Et le méchant te dépasse et notre héros est en sécurité. Pour l'instant. Bien, c'est du bon boulot. Du nerf, gamin. C'est pas fini. Fonce en haut de la colline et redescends. Il te reste le saut à faire. La route est barrée plus loin. Tu vas donc couper à travers champs. Ils ajouteront quelque chose au montage. Un vaisseau extraterrestre écrasé ou un truc comme ça. On t'a balisé l'emplacement des caméras, ok ? Tout ce que tu dois faire, c'est te mettre dans l'axe, écraser l'accélérateur et croiser les doigts. Hé ! Regarde devant toi ! Ignore la caméra ! Essaye d'avoir l'air d'un héros ! Et c'est dans la boîte, tout le monde! Félicitations, gamin, tu as survécu. Tu penses pouvoir le refaire? Je vais donner ton numéro à l'équipe du casting. On t'appellera si on a un autre boulot. Voir classement, ouais, j'ai bien envie de voir le classement. Thèse premier, je suis combien, moi? On est tous premiers, en fait, c'est ça? Où moi dernier 212 mètres 311 mètres pour Thèse changer de filtre non j'ai bien envie de réessayer quand même
Donc n'hésitez pas à aller vous abonner hein, sur les différentes plateformes. Prends à gauche, mais ne relâche pas l'accélérateur. Entrée du véhicule poursuivant. Ouais, le méchant est dans un avion. Et alors? Tu gardes des grilles dans le rouge, et tu fais peut-être des manœuvres pour l'éviter. Par contre, pas tant que ça, la voiture. Et le méchant te dépasse, et notre héros est en sécurité, pour l'instant. Bien, c'est du bon boulot. Du nerf, gamin, c'est pas fini. Fonce en haut de la colline et redescends. Il te reste le saut à faire. La route est barrée plus loin. Tu vas donc couper à travers champs. Ils ajouteront quelque chose au montage. Un vaisseau extraterrestre écrasé ou un truc comme ça. On t'a balisé l'emplacement des caméras, ok? Tout ce que tu dois faire, c'est te mettre dans l'axe, écraser l'accélérateur et croiser les doigts. Hé, regarde devant toi. Ignore la caméra. Essaye d'avoir l'air d'un héros. Et c'est dans la boîte, tout le monde. Félicitations, gamin. Tu as survécu. Tu penses pouvoir le refaire? Je vais donner ton numéro à l'équipe du casting. On t'appellera si on a un autre boulot. Le panneau, là, l'écran, là, il est vraiment sympa. En tout cas, comme si c'était un téléphone. C'est vraiment pas mal. Alors, 290 mètres. 256. Bon. Retour et puis on va continuer. Hein. Salut Tom. On raconte que tu as décroché un rôle dans un nouveau film. N'oublie pas de garder un peu de temps pour participer à la saison d'automne quand tu seras riche et célèbre. Alors, riche et célèbre, c'est pas pour tout de suite. Hein. L'une des superstars d'Horizon, Alex, t'as remarqué, il cherche de nouveaux pilotes pour prendre part au championnat de course sur Terre. Eh ben, on va y aller. Bon, en tout cas, c'est sympa hein, parce que la démo a l'air d'être vachement assez longue quand même. C'est ça qui est cool. Une démo d'une demi-heure et puis il n'y a plus rien. Ça fait presque une heure déjà. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Par contre, vous avez vu le pare-brise, comment il s'est éclaté? Moi, j'ai pas dû freiner, je croyais qu'il y avait une route à prendre. J'aurais pu garder ma vitesse et ça serait passé aussi bien. Ça, ça aurait été bien par contre de le mettre avant. Vous avez atteint votre destination. Prouesse de carambolage ultime. Bon, hein, notre ami ici va te fournir de nouveaux pneus. Viens me voir après la course s'il te faut autre chose.
Oh, c'est toi. J'ai entendu parler des prouesses que t'as faites pour Joël. T'as un sacré coup de volant. Pardon, moi c'est Alex. Je m'occupe des courses sur Terre du festival. En parlant de ça, il va te falloir une voiture adaptée à ce terrain. Une Ford Escort RS Cosworth, Subaru Impreza ou une Lancia 037 Stradale. Non, on va prendre l'Impreza. Super la Subaru. Tu vas voir, son moteur boxer 4 cylindres à plat est monstrueux. Ah, le volant à droite. Bon, tant pis, pas le choix. J'aurais préféré un volant à gauche, mais bon. Ok, les musiques sont sympas. Hein. C'est l'heure de la première course sur Terre. Amuse-toi bien. Merci. Et bah, vu qu'on peut pas faire de réglage, on va commencer directement à l'épreuve. Ça, ça marche. Les sensations peuvent que être meilleures au volant. Déjà là, à la manette, à l'intérieur, c'est vraiment au volant. La sensation et le retour de force, vraiment être pas mal ça. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez le jeu dans les commentaires. On va recommencer, hein, parce que là... En tout cas, elle marche vraiment bien. Je sais pas si elle est d'origine. Si elle est d'origine, c'est vraiment très fort. Ouais, le frein à main par contre, il est vachement sensible. Wow, la manette, c'est... Le frein à main, il est presque trop fort.
cas, vraiment sympa. C'est énorme. C'est tard d'avoir le volant pour jouer à des jeux comme ça. Je pense que de toute façon, ce que je vais faire, c'est que j'achèterai mon volant avant d'acheter le PC. J'aurais plus vite à acheter le volant que le PC. Voilà, j'en ai pour les 300€ avec le shifter. En tout cas, la course, vraiment pas mal. Hein. C'est bien joué. Sympa. Continue comme ça et tu te qualifieras pour la deuxième manche en un rien de temps. Ouais, on est en classe S1 avec la Subaru. Donc j'ai recommencé la course, hein, mais par contre, je vais baisser un peu la difficulté. Voilà. Et puis, commencer l'épreuve, on va recommencer, hein, on va voir. Bonsoir à tous et bienvenue, hein, je vois qu'il y a 4 personnes sur le live, bienvenue sur la Demo Forza 2015. Je teste, hein, je trouve que ça va. Et j'apprécie énormément. Niveau qualité, image, les sensations du jeu, là, en l'intérieur, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à faire un petit coup de boue, hein, ça peut faire plaisir. Après. Alors, autant de personnes qui passent, mais malheureusement, je ne peux que passer. On vient discuter un peu plus avec vous. Je suis là avec le PC à côté. C'était pas écrit. Hein. Vous voyez, vous aimez ça, moi je vous répondrai. Vous avez vu, par contre, j'ai pas bougé, hein. C'est lui qui est venu m'entraîner. La lanceur, la Subaru, hein, marche vraiment bien. Donc, la Space 1. Plutôt sympa, niveau conduite, vraiment intéressant. Nickel. C'est pas défaut d'attaquer, hein. J'ai du mal à les suivre. Hein. C'est joli ça. C'est du
doubler les trois dans le virage là. Déjà mieux, je suis quatrième. C'est pas mal. 3-17, 3-17, 3-17, 3-20. Ah, j'ai bien envie de recommencer quand même. Ça, je pense qu'il y a moyen de faire mieux encore. Après, je suis à la manette. Hein. Je suis pas au volant, mais déjà à la manette, bonne sensation, c'est vraiment sympa. Au volant, ça peut être que du mieux. On va plutôt essayer de privilégier le frein normal que le coup de frein à main. Vas-y, t'es pas bien. J'ai une foule dans l'herbe aussi. Direction en tout cas, niveau en simulation, c'est vraiment pas mal. Ça réagit vraiment bien. Ça réagit tout de suite, quoi, c'est ça le truc. C'est vraiment pas mal. Bon, lui, il faut que j'arrive à le doubler parce que. Ça revient fort par contre derrière ça. Je vais tout faire, attends. Il y a une bonne reprise sur la voiture, ça c'est sympa. Décor rétrograde, ça répond tout de suite. C'est cool. Hey, hey, premier. Voilà. Donc, plutôt sympa. Hein. 3,17, 865, 3,18, 275. Ah, c'était vraiment chaud la première, deuxième place, c'était vraiment chaud. Bon, c'est sympa, on va continuer comme ça, on va avancer. En tout cas, j'apprécie cette démo là, c'est vraiment sympa. Une tarte de l'avoir. Je crois que t'as tes chances dans mon championnat de course sur Terre. Continue comme ça et tu pourrais bien accéder à la deuxième manche. Je pense que le moyen de bien se faire plaisir hein, quand on va l'avoir hein, là, le jeu là. La qualification pour les automnales est presque dans la poche. N'oublie pas, plus tu pilotes, plus ton influence augmente.
Après, je vous rappelle hein, qui... On m'a dit que tu te débrouillais pas mal. J'ai peut-être un truc qui t'intéresserait. On organise une course de rue, et ça pourrait être dans tes cordes. Tu nous retrouves là-bas ? Avec plaisir. C'est quoi ça ? Panneau de voyage instantané. Ah. Donc on va aller là-bas. Yo Flo, comment tu vas ? Oh, ils m'ont laissé la Subaru. C'est bon ? À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Par contre, si je vais regarder, il y a un panneau de voyage instantané. Je sais pas où il est. Pas ça. C'est qu'il est. Passer en vue extérieure pour le chercher. Faites demi-tour dès que possible. Après, il est marqué, mais je suis pas sûr qu'il soit dispo, hein, vu que le jeu est pas sorti. Bah, si, Guérin m'a parlé de ces trucs. Chaque panneau de voyage instantané détruit te rapporte une réduction sur le service de voyage instantané d'Horizon. Si tu viens de rentrer du taf, le festival couvre l'intégralité de tes frais de déplacement. C'est bon à savoir pour la suite de nos aventures. Bon, t'as testé un peu du coup la DM de Forza Horizon 4 du coup. Je suis pas habitué à rouler avec un volant à droite, c'est pas évident. Les repères sont pas du tout les mêmes. Ah, vous venez que de finir les anciennes. Il y a beaucoup de taf là. Il n'y a pas moyen par contre de... Oh, niveau 1. Héros des panneaux d'Angers. Ah bon. C'est dans... Ça va être dans paramètres. Difficulté, non. Moins que ce soit là-dedans. J'ai un doute. Ah si, c'est ça. Dégâts superficiels, aucun. Ou restant aucun, hein, ça sera déjà pas mal. Sauvegarder continue, ça peut te faire plaisir. Si tu veux, Ghost Recon est gratuit ce week-end. Je l'ai eu, Ghost Recon, on y a joué ensemble, Flo. Rappelle-toi, sur la bêta. Même que je me suis assis à l'extérieur sur le garde-boue de la chargeuse. Rappelle ou pas ? À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 100 mètres, vous arriverez à destination. Vous avez atteint votre destination. Ah, mais il va prendre combien encore ? Si, ou alors faudrait que je finisse la démo et puis... Et puis virer la démo pour essayer de le... De le télécharger, la rigueur. Faut voir. Je peux peut-être faire quelque chose. T'es prêt ? Prêt ? C'est parti ! Oh, c'est toi ! T'as réussi ! Au fait, moi, c'est Jaymin. Alex, arrête pas de parler de toi, tu sais. Si tu conduis aussi bien qu'il le dit, les gars vont t'adorer. Oh, avant de commencer, il faut que tu saches que ce n'est pas vraiment autorisé par le festival. Du coup, t'en parles pas à Guérin, ok ? Ça s'appelle Aaron, quoi. J'ai du taf. À la prochaine, alors. C'est pas officiel, mais je te vois souvent aux épreuves.
Je m'arrangerai pour que tout Horizon sache ton nom. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vaux. Donne-toi à fond. Alors, audio. Du coup, on va baisser tout ça. Volume effet sonore. Voilà. Hop, hop. Je vais laisser les voix. Voiture. Hop. 6. Je vais essayer comme ça, tu vas me dire si c'est mieux, Flo. De toute façon, il faut que tu finisses les deux. Ah bah je comptais pas quitter la démo comme ça, je comptais bien finir la démo avant. Alors, continuer l'épreuve. Enfin, on va commencer l'épreuve d'abord. Plutôt. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je vais pas me dire, sinon je rebaisserai encore un peu. Ça va, c'est pas la peine de pousser. Il y a de la place sur les côtés. En fait, le volant à droite, il me perturbe plus qu'autre chose. À gauche, ça va le prendre. À droite, une horreur. Ça roule fort, hein. D'ailleurs. Ah non, j'ai loupé le point de passage. Je veux dire, il n'y a pas de sauvegarde sur démo. Bah ouais, comme toute démo. Bon, après, c'est pas grave. Bon, je suis là pour la découvrir. De toute façon, je ne vais pas quitter la démo tant que je ne l'ai pas fini. En tout cas. Autant que je peux jouer à Forza Horizon 4, hein, je vais continuer jusqu'à ce que je peux plus rien faire. Parce que dès que j'ai fini quelque chose, il m'a proposé autre chose derrière, donc c'est tout. Il y a eu une mission de cascade tout à l'heure, là j'ai la course là qui n'était pas prévue, qui a été débloquée juste après. Merde, c'était là. Alors ça, j'espère qu'ils vont vraiment faire quelque chose, ça serait vraiment sympa. Qu'ils nous mettent des panneaux en fait pour dire ça sera à droite la prochaine. Ça serait vraiment sympa. Bon, je vais finir dernier. Mais je les vois pas, je crois que c'est je vais recommencer hein, parce que... C'est une de mieux faire quand même. Donc le son est mieux là, Flo. Quand je voudrais voir, moi c'est le son de la musique. Pourtant il est à zéro. Effet sonore, voix, voiture, pneu. Ok. Je peux pas faire autrement. Donc on va continuer. Hein. On va essayer de s'appliquer un peu plus cette fois.
Oula. Ça a quand même bien dérapé. Un peu trop. Mais... Bien évidemment, la voiture de PNJ. Comme par hasard, faut qu'on ait une ici. Pas mal de monde, là, c'est bien. Pas mal de... poser un peu d'écart. On va remonter quelques places. Là, j'ai pas vu qu'il freinait. La voiture de PNJ, je vais éviter de poser celle-là. Bon ben voilà, sixième, c'est déjà mieux. Il y a une minimap pour voir les virages qui arrivent. Bah ouais, mais bon, je préférais. Hein. Plus un vocal qu'une minimap. Désolé pour ton level up, Flo. Bonne nuit à toi, merci d'être passé. Bon courage pour demain. Donc je vais la relancer encore une fois, voir si je peux augmenter encore un peu. De 12e, je suis passé 6e. On va recommencer, on continue, on va voir. Si on peut faire mieux. Un meilleur départ déjà. On va éviter de rester dans les buissons par contre. Ah, le PNJ encore. En tout cas, la démo est sympa. Il y a pas mal d'activités, pas mal de courses différentes, assez variées, donc c'est assez sympa. Juste les défis annexes hein, en plus du défi Horizon. C'est pas mal. Toujours le. L'indicateur de prouesse. Essayer d'attaquer un petit peu plus là. Toujours 9e. Toute la troupe qui est ici. Là. Désolé. C'était soit je vais rentrer dedans, soit je me tape le PNJ. Je préférerais lui rentrer dedans que de me taper le PNJ. En lui rentrant dedans, je perds rien. En tapant le PNJ, je perds des places.
mais il faut choisir. Ah, c'est loin ça. A moins que la voiture ait une bonne reprise quand même, parce que sinon ça sera un peu compliqué. Oh, on est passé troisième. Il y a peut-être moyen de bouffer la première place. Vous voyez pourquoi quand je vous dis d'avoir un indicateur, ça aurait été d'avoir ça aussi. Alors rentrer non plus. Bon, dommage. Je suis une deuxième, c'est pas mal. Je finis sur un podium. C'était vachement serré par contre, hein, parce que 2,28,081 et 2,28,849. Après ça passe à 2,30. Il manquait pas grand chose. Hein. Deuxième, c'est pas mal, ça me va. Tu sais, les pilotes de rue ont un tas de règles tacites sur le respect, l'honneur et sur qui a le droit de courir ou non. Pour faire court, continue comme ça et t'auras toujours ta place. Merci, c'est gentil. Promu manche 2, course de rue, c'est pas mal. Même très bien. Total d'influence 20 000. Hey, on si va ça où, te cette dit, fois une nouvelle course sur Terre va bientôt commencer. On se retrouve là-bas? Avec plaisir. Et on vient d'installer un nouveau panneau danger avec Jamie. Si t'es en manque de sensations fortes, tu devrais y faire un tour. Ah bah bien sûr que je vais y aller. On va déjà faire ça. Voilà. Je reviens d'ici deux petites minutes. Hein. J'arrive. Ah ouais, je les aime. Alors on va aller prendre le rendez-vous qui est donné, hein. Je sais plus ce qu'il était. En 1,7 km, ça va, c'est pas loin. Je vais vous mettre un peu de vue extérieur aussi. C'est vrai que depuis tout à l'heure je suis en vue intérieure. En vue intérieure c'est sympa. Extérieur avant. Pas vous arrêter, il y a rien. Donc on va aller faire ça et puis après je vais relancer le live, hein. Parce que vu que les vidéos sont sur YouTube, pour pas vous faire trop longtemps,
Vous avez atteint votre destination. Ces trucs ont été installés là pour signaler des zones à risque. Après, avec Alex, on a mis des petits drapeaux dessus et... voilà, le panneau danger était né. Tant que tu y survis, on devrait pouvoir en mettre d'autres. D'accord. Total d'influence. Ah, ça a augmenté encore. On a un classement, quelque chose comme ça, non? Non, on peut pas. Dommage. Rang 2, donc c'est ça. 10 000 crédits en plus pour avoir fait ça. C'est cool. Et l'influence a augmenté aussi. Plutôt sympa. Et du coup, l'objectif... Ah bah il m'a déjà calculé pour aller là-bas. Cool. Faites demi-tour dès que possible. À 100 mètres, tournez à gauche. Je fiche ma gueule, hein. Vous voyez comme un Subaru, elle envoie. Dommage, j'avais bien commencé le virage. À 400 mètres, tournez fini. À droite. Il y a beaucoup tournez de véhicules par contre à mon goût, je trouve. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Regarde, c'était... Tournez à droite. À droite, pas à gauche. Bon, par contre, je trouve ça un peu dommage que les murs puissent tous les péter. Un peu con. Hein. Pas fan. Vous avez atteint votre destination. Je trouve ça un peu dommage qu'on puisse les casser. Donc du coup je vais relancer le live, on va continuer pour la deuxième partie. On va faire cette épreuve là. Donc je le relance voilà, dans la foulée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me suivre Facebook, Twitter, YouTube. Les liens se trouvent sous le live dans la description. Vous cliquez sur les différents logos, que ce soit Facebook, Twitter ou YouTube. Vous cliquez sur le logo, ça vous emmène directement sur la page concernée. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. N'hésitez pas à mettre aussi votre plus gros pouce bleu. Et à vous abonner sur la chaîne YouTube. Activer la cloche de notification. Pour savoir les prochains lives, pour vous prévenir en fait quand il y aura un prochain live. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à tout ça. N'hésitez pas à follow la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve d'ici 5-10 minutes, le temps de relancer le live. Donc voilà. Pour ceux qui restent là et qui ne suivent pas après, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Merci de m'avoir suivi et on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao. Pour les autres, à tout de suite.